Non mais, qu'est-ce que tu crois, mon petit gars? Que tout est rose pour les filles? Enlève-toi ça tout de suite de la tête! À me voir comme ça, vous devez penser, cette femme n'a jamais dû pleurer. Sachez pourtant que mon existence ne fut longtemps qu'un drame immense. Je voulais vous parler des hommes qui... Des grands-pères, des pères, des oncles, des frères qui, quand papa rentrait mécontent, il tapait un peu sur maman. Ça lui faisait passer sa rage. Il disait, j'aime pas tes manières là. Tes façons de mater à droite, à gauche, devant, derrière. Mais c'est pas une gonzesse que j'ai. C'est un gyrophare. J'ai plus peur de toi, on dirait que tu rêves. Au bord de tes lèvres, une mouche te donne le dernier baiser sur la bouche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais plus que tu me touches. La queue avec du poivre broyé dans du miel. Bon, au début, je me disais, oh là, ça va brûler, ça. Mais oui, ça doit faire mal. Mais, c'est une vieille recette de grand-mère. J'ai fumé un petit pétard tout doux, tout vert. En attendant qu'il revienne. S'endormir contre moi. C'est mon grand amour. Mon bonhomme. Et ma raison. Elle jure qu'elle va partir. Et puis tout s'efface. Mais elle sait qu'il n'a qu'un mot à dire. Qu'un seul de ses regards la déshabille. Le lui fait dire qu'elle l'aime encore. Peut-être que si l'on émasculait les hommes, mon pays deviendrait un paradis. Il se calmerait, se montrerait plus sensible au monde qui les entoure. Sans ces poussées régulières de testostérone, il n'y aurait plus ni guerre, ni massacre, ni vol, ni viol. Votre beau discours, mon cœur n'est pas...